Les tendances clés des processus de production, en fait, je dirais, il y a une tendance clé qui est la numérisation, la digitalisation des lignes de production. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est la seule façon que l'industriel ou la société de services industriels c'est la seule façon qu'elle aura de répondre à l'évolution de la demande. Aujourd'hui, le client recherche de plus en plus des solutions et des produits personnalisés. Pour ça, il faut que les lignes de production soient flexibles. Et pour favoriser cette flexibilité, il faut numériser. Il faut connecter les différentes briques technologiques d'une ligne de production. Il faut les connecter entre elles. Et vous les connectez comment? Grâce à des capteurs. Et vous optimisez le fonctionnement de la ligne de production comment? En exploitant les données que ces capteurs vont vous transmettre et en les triant de façon à agir sur les différents paramètres de fonctionnement de la ligne de production. Donc, une ligne de production numérisée est une ligne qui va être plus agile, qui va mieux répondre aux demandes évolutives des clients, à la personnalisation de cette demande, et qui va aussi permettre de réduire l'impact environnemental, l'empreinte environnementale de votre ligne de production. Et ce phénomène, il ne faut pas se faire d'illusions, il est indépendant de l'évolution démographique des pays. Donc, quelle que soit l'évolution démographique, quelle que soit la situation de l'emploi dans un pays donné, la numérisation, la digitalisation va progresser. Je dirais d'abord qu'elles doivent s'y inscrire de manière défensive. Parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, si elles ne s'adaptent pas à ce mouvement de fond, elles auront à faire face à terme, et plus ou moins vite d'ailleurs, à un problème de compétitivité et un problème de capacité à répondre à l'évolution de la demande. Donc elles n'ont pas le choix. Ensuite, en France, puisque nous sommes en France, le gouvernement a mis en place à travers la BPI et ce qu'on appelle l'Alliance pour l'industrie du futur, des points d'appui régionaux et départementaux qui favorisent cette prise de conscience. Parce que le vrai défi auquel on est confronté, c'est la prise de conscience par le chef d'entreprise de la nécessité qu'il a à se transformer. Et deuxièmement, la nécessité derrière que ses salariés soient accompagnés pour embrasser ces nouvelles solutions technologiques. Et de plus en plus, il y a en région des sociétés, des SS2I, vous en recevez une cet après-midi, qui s'appelle Visiatis, qui sont capables d'apporter les conseils qu'il faut pour aider ces entreprises, pas simplement les grandes, mais les PME, à se transformer, à se digitaliser. D'abord, la production additive, il y a deux grands types de production additive. La production additive plastique, polymère, et puis la production additive métal. Bon, FIV est un spécialiste de la production additive métal. Cette production additive, elle s'imposera à terme, elle révolutionnera la façon de faire et de concevoir les pièces industrielles et donc les lignes de production. Mais ça prendra du temps parce qu'aujourd'hui, on est au stade de début, on est dans une phase 1 ou phase 2 pour reprendre l'image du médical. Je dirais que la première des applications, celle qui est la plus spontanée, c'est utiliser cette capacité finalement d'imprimer des pièces pour faire des pièces de rechange, plutôt que d'avoir des stocks de pièces de rechange. Si vous faites de la maintenance préventive, si vous anticipez vos besoins, vous n'en avez plus besoin de stock si vous êtes capable de produire à la demande la pièce et la technologie de l'impression additive vous le permet. Et elle vous le permet d'autant plus que finalement, qu'est-ce qu'il faut pour faire l'impression additive? Il faut une machine, il faut de la poudre métallique, on maîtrise assez bien les poudres métalliques acier, et puis il faut surtout le modèle numérique. Or le modèle numérique, par définition, vous êtes le propriétaire puisque ce sont des pièces de rechange qui vont sur vos machines et vos produits. Donc, vous avez le modèle numérique, donc vous pouvez franchir le cap de l'impression 3D pour réduire vos stocks et ne produire de pièces qu'à la demande. Voilà. Aujourd'hui, l'impression 3D, on la voit, métal, on la voit surtout se développer dans des applications de faible série. FIV et Michelin, dans leur JV ADUP, fournissent par exemple des pièces, des éléments de constitution du cœur artificiel Carmack, faite à base de titane, mais voyez, c'est une application, on ne fait pas des cœurs artificiels tous les jours. Bon bref, c'est des applications chaque fois spécifiques, tout ceci prendra du temps.